Bonjour les enfants, vous êtes bien installés? Mes histoires vont commencer. Oh, un petit oiseau prisonnier. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la cage vers la liberté. L'oiseau s'est envolé. Mes histoires vont pouvoir commencer. Les oiseaux. Couleur. De Hello aux éditions Sarbacane. Blanc. Noir. Rouge. Bleu, orange, jaune, marron. Vert, violet et rose. Rose le hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Bonjour hibou. Du haut de son grand chêne, il répond coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond coucou. Coucou hibou, coucou hibou, on entend le coucou. Coucou hibou, coucou hibou, on entend le hibou. Hibou s'est envolé. Mes histoires, elles, vont continuer. Et le petit dit de Jean Moby aux éditions Pastel. Ils étaient quatre dans le livre. Et le petit dit, je suis serré, poussez-vous. Et rhinocéros, sorti du livre. Ils étaient trois dans le livre. Et le petit dit, je suis serré, poussez-vous. Et hippopotame, sorti du livre. Ils étaient deux dans le livre. Et le petit dit, je suis serré, poussez-vous. Et éléphant, sortez du livre. Il était seul dans le livre. Et le petit dit, je m'ennuie, où êtes-vous? Deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Ils étaient cinq dans le nid, et le petit dit,
Poussez-vous, poussez-vous, et l'oiseau tomba du nid. Ils étaient quatre dans le nid, et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous, et l'oiseau tomba du nid. Ils étaient trois dans le nid, et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous, et l'oiseau tomba du nid. Ils étaient deux dans le nid, et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous, et l'oiseau tomba du nid. Il était seul dans le nid, et le petit dit, où êtes-vous, où êtes-vous? Où êtes-vous, où êtes-vous? Petit oiseau s'est envolé, et mes histoires vont pouvoir continuer. Bon de Jeanne HB. Bon. Bon, 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 bon. Mais. Bonjour, toi. Bonjour. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau. Oh, il est si beau. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau. Qu'il tombe dans l'eau. Plouf. Bon. S'en vont sur l'eau. Quoi, 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 quoi. Ils sont si beaux qu'ils s'envolent très, très haut. Bon voyage, petit canard. Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne, ricane et la canarie. Petit canard s'en est allé. Mes histoires vont continuer. Zouic le rouge-gorge. Zouic le rouge-gorge. Édouard Manceau. Ah, regardez, c'est Zouic le rouge-gorge. Avant, il était tout gris, Zouic le rouge-gorge. Un jour, il a trouvé une fleur. Son cœur s'est mis à battre très fort. Il l'a cueillie pour en faire un cadeau. Mais le vent a cassé toutes les pétales de la fleur. Son cœur était brisé. Pauvre Zouic. Par bonheur, une marchande de fleurs a rattrapé un pétale. Zouic ! Elle en a fait un pansement pour son petit cœur blessé. Et depuis, c'est lui le plus joli des cadeaux, Zouic le rouge-gorge. Un poisson au bord d'un étang qui faisait des bulles, qui faisait des bulles. Un poisson au bord d'un étang qui faisait des bulles pour passer le temps. J'ai tout bélé, bélé, bélé. Un oiseau au bord de l'étang regardait les bulles, regardait les bulles. Un oiseau au bord de l'étang regardait les bulles comme c'est amusant. Les bulles, les bulles, les bulles. Allez, une dernière fois. Les bulles se sont envolées. Mais mon histoire
resté. Mais qui est Pilapi de Martine Perrin. Mais qui est Pi dans mon nid, dit la Pi. Est-ce chat juste derrière moi? Ou cette chèvre qui s'accroche aux branches? Ou encore ce lièvre debout sur ses pattes? Mais qui est Pilapi? C'est peut-être l'oie qui regarde par là. À moins que ce ne soit le chien qui se lèche les babines. Mais qui est Pilapi? Ou alors cette vache qui a l'air bien curieuse. Ou peut-être cet étourneau qui vole vers moi. Mais qui est Pilapi? Oh, mais non, ce n'est ni l'étourneau, ni la vache, ni le chien, ni l'oie, ni le lièvre, ni le chat. Qui m'épie dans mon nid? C'est toi qui m'épie, dit la pie. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Petit oiseau s'en est allé et mes histoires sont terminées. À bientôt !